Alors, on commence demain avec le Haïti. Qu'est-ce que vous sentez avant cette première match pour l'équipe du Canada? Je me sens pas vraiment stressé, je me sens plutôt bien que l'équipe, on est prêt. Dans les entraînements, ça s'est bien passé. Tout le groupe est prêt mentalement pour le match contre Haïti. Et puis, c'est une équipe qui est champion du Caraïbe. C'est quoi le secret pour gagner 3 points samedi? Ben, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut juste qu'on ait la confiance. Et avant le match, qu'on se dise, on est là, faut qu'on en profite. Faut qu'on vive le moment. On doit être présent pendant le match. Maintenant, Sean a guidé 2 équipes canadiennes consécutives aux Coupes du Monde U17. Qu'est-ce que vous pensez que le Canada doit faire pour qualifier pour une 3e Coupe du Monde? Pour se qualifier, il faut pas vraiment de secret. Il faut vraiment bien jouer. Il faut avoir la confiance. Déjà, si on n'a pas la confiance en allant là-bas, ça ne sert à rien. Le groupe est prêt. On est juste prêt. Maintenant, cette équipe a passé beaucoup de camps ensemble, beaucoup de matchs de préparation. Mais qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous pensez avant qu'une tournoi comme ça est maintenant ici? Toute votre préparation est maintenant pour cet instant ici. Ben, moi, j'avais pas de stress. Moi, je savais déjà que ça allait arriver, même si on joue contre le Brésil, l'Haïti ou d'autres équipes qui vont être là pendant la qualification. Moi, ça me disait rien. Hein.